Bienvenue à Michel Ton, c'est Bakaneko-san en VOD et heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur The Evil Within. Alors, la dernière fois, on en était où? Déjà, premièrement, petite chose pour laquelle je voudrais m'excuser, il y a eu un petit souci sur les deux derniers épisodes qui ont fait que le son du micro n'était pas enregistré. Donc, j'ai par souci de continuité, j'ai quand même publié les épisodes, mais bon, voilà quoi, c'est dommage, mais je pouvais pas juste tout, enfin refaire le entre guillemets le doublage. Alors donc, on est où? Déjà là, il y a un piège, non? Comme d'habitude, un bon conseil, si jamais c'est pas vous qui avez tué le cadavre, brûlez-le. Bon, visiblement, ces deux-là, c'était bon. C'est pas vraiment ce que je voulais faire, mais... laborieux un peu les reprises, enfin les... Non, oh, bien, bien dégueu, les bruits. Oui. Pas par là que je suis arrivé. Je me souviens plus, je dois bien avouer. On va quand même aller voir, il y a une échelle, si ça se trouve on est tombé par là, donc enfin, on est tombé dans cette pièce, donc ah. J'ai bien fait ou pas? Le classique du jeu vidéo, on vous met un petit truc qui brille et bien sûr vous allez le voir. Donc là on a vu qu'il n'y avait rien. Tant pis, ça fait perdre des pièces, mais... Excusez-moi. Pardon, mais...
C'était un peu rigolo quand même de le voir voler. Pardon. Ah! Ok, donc. C'est une zone pour l'amiral Akbar, ça. Qui serait là comme ça. It's a trap! It's a trap! Tous les 2 mètres. C'est pas un endroit où on va affronter la sœur là. Est-ce qu'il y a beaucoup de cadavres, certains qui servent à rien? C'est... Ah. Donc il m'a vu, je l'ai aggro. Il est où? Je reste dubitatif là. Et carreau immobilisant. Carreau pour l'arbalète agonie qui immobilise temporairement l'ennemi. S'il finira par se détruire, excepté dans certains cas. Par contre, il est où? C'était dangereusement prêt pour mon... à mon goût. Un truc. Là. Non, ça, oh, décidément, les contrôles de ce jeu. J'utilise bien la manette, hein, mais... Oh, cool, il y a des petits bruits et tout. Pas mal. Mais là, j'ai peur que ce soit une zone où on affronte la sœur. Mais l'autre, il est toujours porté disparu, hein.
Ah oui, ça y ressemble. Ouh là là, ça y ressemble. Super. Voilà. Ça a l'air de marcher. Et j'avais pas le bon type de carreau. C'est un peu pour elle que j'aime bien, que j'aurais bien aimé avoir les. Birdshot. Bon, je vous cache pas que j'aurais bien aimé faire ça correctement avec la sœur, c'est-à-dire être de l'autre côté quand ça a brûlé. Mais bon. Les ennemis sont alertés par les bruits excessifs. Oui, bah non. J'en suis à 4800. Visiblement, il y a des choses nouvelles. Alors, pas ici, mais peut-être non. C'est étrange qu'on apparaisse là. Non, apparemment, il n'y a rien de neuf. Bon. Est-ce qu'on n'a pas quelque chose qui pourrait nous être utile contre la sœur? Incroyable à quel point il s'y est vite fait quand même. Jauge de vie, ça aurait été bien, mais j'ai. Il m'en manque 200, quoi. Ouais, vraiment, les harponneurs, j'aurais vraiment aimé les avoir en enflammé cette fois-ci. J'ai pas l'impression que à 4800, il y ait quelque chose qui soit vraiment utile. Allez. Pas de gaieté de cœur, mais. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas parce que ça me fait flipper, c'est pas parce qu'il me fait flipper ce boss, pas spécialement. C'est surtout parce que je suis le roi de, je suis le roi pour faire tout ce qui, pour faire de travers les choses, des choses qui pourraient être simples. Je sais qu'à un moment, elle va sortir d'un cadavre et qu'on peut... On peut s'en débarrasser en brûlant les cadavres pendant qu'elle en sort. Voilà, par exemple.
Alors j'aurais aimé que tu lui files un coup de torche. Voilà, merci. Allez, grimpe-moi vite cette et là normalement. Piou! Bon, j'ai vite repris les rênes sur ce combat qui. Dans mes souvenirs était moins évident que ça. Ah, tu n'avais utilisé qu'une seule cartouche, Sébastien. Vous permettez, je fais un petit peu le tour. Hein. On ne sait jamais des fois qu'il y ait des petites pièces à récupérer. Parce que là, au niveau des cartouches de ce que je possède, non. J'ai bien vu que à fusil à pompe et pistolet, j'étais au maximum de mes capacités. Mais s'il peut y avoir des pièces pour... Pour les carreaux, ben je suis preneur. Ben, il s'est pas refermé. Je suis quand même plutôt content, je me suis pas fait toucher alors que d'ordinaire. Ah oui, parce qu'il est. On peut l'utiliser qu'une fois, d'accord. Bon, il y a eu le fait que je me sois souvenu que les torches, si on donne un coup de corps à corps, ça fait brûler instantanément. Alors, c'est pas très intelligent ça, Sébastien, de donner un coup avec le canon de ton fusil. La crosse, oui, mais le fusil. Rentrez. Le dossier du sujet évoque un retard de développement, ainsi que des problèmes de communication, de cognition sociale et de comportement répétitif. Signe de synesthésie manifeste. La généalogie évoque une forte sensibilité aux stimuli extérieurs, avec capacité d'adaptation. Serais-tu ce que je cherche depuis toutes ces années? Et juste sous mon nez. Incroyable. Ça ne fait plus de doute. Il est bien... compatible. Si je me souviens bien, il cherche un corps. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, mais c'est dégueulasse.
Bon, c'est dommage, j'ai perdu des munitions pour rien ici, mais... On m'avait pas prévenu, moi, que... Il fallait leur retirer cette espèce de tentacule dégueulasse de l'arrière du crâne. Ah, et quand ils sont sortis de leur baignoire, on pouvait retirer le câble. On a furtivement vu Kidman. Quelque chose vous a fait peur? Ils m'ont trafiqué le cerveau ou quoi? Vous n'avez pas bonne mine. Vous devriez prendre mieux soin de vous. Alors, ils font que ça, trafiquer les cerveaux, Sébastien. Bon, moi je les cherche pas trop parce que j'ai pas envie d'y passer des heures, mais les clés sont toujours une bonne chose à prendre hein, quand on est ici. Enfin, les clés sont toujours une bonne chose à prendre pour quand on passe ici, parce que ça donne vraiment énormément de ressources. Combien j'ai de gel vert? 1300. J'ai vraiment envie d'économiser pour les carreaux de l'arbalète agonie. Non, visiblement, il se passe rien dans notre chambre. Peut-être dans les autres. Guillemets cellules non plus. Vous remarquerez que pour une fois on y voit quelque chose plus ou moins à l'intérieur, que normalement c'était complètement noir. Il doit falloir lui parler, je ne sais pas. Non. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Plancher effondré. Le plancher de l'église s'effondre. Aucun blessé. Des témoins parlent de miracle. Le plus gros scandale éclabousse l'église à ce jour. Le plus gros scandale éclaboussant l'église à ce jour. Le plancher de l'église de Cedar Hill s'est effondré pendant les rénovations. Pour les paroissiens, seul un miracle a permis d'éviter des blessés. Ah, il faut y rentrer comme ça. Des photos. Ah non. Une église. Pas ce moment-là, par pitié. Non, j'aime pas beaucoup ce moment-là.
J'étais là, je me disais, oui, alors, comment on fait? Oui, non, mais ça peut aussi marcher si tu allumes ta lampe. C'était quoi ce bruit? Du verre qui se brise. Je peux me tromper. Tatiana, ma douce, j'espère qu'il ne vous est rien arrivé. Vous voilà. Là, vous pourriez vous dire, mais depuis quand est-ce qu'il y a une porte et un escalier ici? Justement, c'est ça toute la magie, c'est on ne sait pas ce qu'on va pouvoir trouver la fois d'après qu'on visite un autre endroit. Enfin, un même endroit, je veux dire. Par contre, la superposition des... Ça, là, la superposition des images, je trouve ça très perturbant. Sébastien? 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 Je sais pas pourquoi, mais je te trouve plus réfléchi, Leslie. C'est con. Il me semble qu'à un moment, dans le coin, il y aura une clé. C'est le même endroit que sur les photos. Wow, ça se voit que t'as été inspecteur, toi. T'as un sens de l'observation. Dingue. Et c'est bien l'endroit que j'avais pas envie de voir. Non pas qu'il soit super effrayant ou quoi, mais c'est juste qu'il y a plein de monstres. Et que c'est assez galère. Après tout, ils nous donnent de munitions pour casser les caisses. Et je suis d'accord pour un peu de soin. Surtout avec la zone qui arrive.
pas prendre plus de grenades. Pas gaspiller une munition juste pour ça. Ça se trouve c'est super. Enfin, je vais dire si ça se trouve c'est super intéressant. Oh ah, ah. Le petit cachotier. Non, lève-toi Sébastien. C'est vrai que c'était intéressant. Si j'avais pas. Joseph! Pardon. Est-ce que ça va? Ma tête arrêtait pas de bourdonner. J'ai bien cru qu'elle allait éclater. Mais maintenant, je commence à m'y habituer. T'as vu Kidman? Ah. Non. J'étais seul quand je me suis réveillé. J'ai dû m'évanouir ou me transformer. Les échelles, grimpons. Encore. Et bon, puisque t'es un des mineurs de génie. C'est intelligent les gars, vous craignez le feu et vous Dépêche-toi de l'ouvrir. C'est ce que j'essaie de faire. Il me faut un peu plus de temps. Merde. Non mais super. Oui, j'aurais pu me soigner avant, mais j'aurais bien aimé que tu cours, Sébastien. Je sais que tu est-ce que j'ai de... C'est vrai que j'ai ça aussi. J'ai pas l'air de dire bien.
bien longtemps. Ce sera pas long. J'ai envie de me couvrir. Non, sérieux, c'est gentil de nous proposer l'option, mais... Si ça dure vraiment aussi peu de temps... Combien est-ce qu'il me reste de pièces? Il me reste 2. Ah oui, bien sûr. Mais oui, tout à fait. J'allais vous le dire. J'aurais peut-être pu... On peut sortir. Voilà pourquoi je n'aimais pas cette cette zone. Cette partie-là, je m'en souvenais plus, mais je dois bien avouer que c'est pas non plus quelque chose que j'apprécie beaucoup. Arrête 2 secondes. On fera pas long feu à ce rythme. Je pense qu'il vaudrait mieux filer d'ici le plus vite possible. Regarde cette tour là-bas. On pourra avoir une meilleure vue du coin. Ce sera déjà mieux que de rester planté là. Fusil de précision. D'une allure peu commune, ce fusil à verrou équipé d'une lunette ne date pas d'hier, mais semble avoir été bien entretenu. C'est heureux. On va aller sauvegarder, hein, parce que... De toute façon... Il est temps de se laisser et pour moi de faire une petite pause. Combien de temps vais-je devoir rester ici? J'en sais rien, ma belle. Mais s'il vous plaît, prenez soin de nous. Surtout qu'en plus, on laisse plein de ressources derrière, c'est ça qui m'agace, quoi. Mm-hmm.
Bon, en tout cas, comme je vous l'ai dit, on va se laisser ici. Donc, mes chatons, je vous fais à tous téléchouille sur le museau. Je vous remercie d'être resté jusque-là et j'espère vous revoir tous très bientôt pour un nouvel épisode. Et surtout, en bonne santé. Allez, ciao tout le monde.